Flamberienne, c'est une longue histoire puisque maintenant c'est la 9e édition. De plus en plus de monde. On est passé en nocturne il y a maintenant 4 ou 5 ans. Et depuis, ça fait du feu de Dieu parce que c'est l'occasion pour les gens de vivre une expérience différente. Car courir la nuit, c'est courir autrement. Il y a des sentiers fantastiques derrière Chambéry qu'on ne connaît pas forcément. Et maintenant, bien souvent, beaucoup s'entraînent et disent, eh bien, on va sur le parcours de la Chambérienne. 1600 participants. 900 sur le 10 km, qui est la course la plus populaire, la plus accessible, et puis 700 donc, sur le 21 km, ainsi que sa course jeune, qui partira en même temps que le 10 km. Un peu de dénivelé, forcément, on est en Savoie, on est en montagne, mais raisonnable pour le 10, 350, plus exigeant sur le 21, qui nécessite une bonne préparation physique. Les coureurs sont là, ils sont nombreux, ils ont tous ce sourire, et ils viennent aussi se changer les idées, parce que la Chambérienne, c'est avant tout une fête, la fête du trail, la fête du sport, la fête des amis. Je suis un vieux de la vieille, 70 ans, vétéran 4, donc ça va être un petit peu dur, mais bon, on la fera. Hein. On est venu là, on a signé, c'est pour se sortir des tripes. Alors je connais pas du tout, la première fois que je viens, et très content. Voilà. On va voir ce que ça donne. Pour courir, la chose y fait, boire une bonne bière après, tranquillement. C'est un peu la fête, ouais. Non, moi je connais pas du tout, pareil que lui, bon, on est venu faire ça tous les deux, pour se marrer. Voilà, on va voir, on va se prendre du plaisir, c'est cool.